c'est pour réclamer le départ de M. Paul Mercier, parce que le peuple avait réclamé les réformes constitutionnelles et institutionnelles depuis 2005 jusqu'à ce jour, depuis 2006 jusqu'à ce jour, il ne l'a pas fait. Donc le peuple s'est levé, c'est pour dire à Paul Mercier de quitter le pouvoir. Maintenant, parce que Déon est venu, il nous a proposé une feuille de route. Organisation sous-régionale, nous l'avons accepté. Maintenant, on constate que le régime en place ne veut pas respecter la feuille de route. C'est pourquoi nous sommes dans la rue et ce que nous sommes en train de faire, on est en train de tester le terrain. Et je crois que tout ce qui se prépare comme élection, nous, on croit, on pense que cette élection n'aura pas lieu au Togo s'il n'y aura pas de réforme. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Parce que la feuille de route demande la libération des détenus politiques. Y compris Joseph Essa, Messa Kokoroko, Asiba Johnson et Police Akiti, qui sont des organisations de la société civile. Donc on ne peut pas bafouer le droit de l'homme dans notre pays en nous disant qu'ils font la démocratie. Donc c'est pour ça que nous sommes dans la rue ce matin. Et pensez-vous que le fait de prendre la rue peut trouver la solution? Non, vous savez, si les Burkinabés ont trouvé la solution dans la rue, ben, pourquoi pas les Togolais, nous sommes des pays limitrophes. On peut le faire parce que les gens veulent nous imposer la guerre civile. C'est ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Nous ne serons pas d'accord. Et nous ne sommes pas d'accord. Et même parce que la République va les chasser. S'ils ne veulent pas faire les réformes,